Frère Msem, bonsoir. Nous comptons ensemble avec vous pour nous capables ensemble introduire la troisième leçon. Avant de commencer, nous invitons pour baisser la tête pour nous prier. Éternel Dieu, Papa, nous qui sommes là, nous bénissons. Merci pour grâce, merci pour l'amour. Merci parce que vous accordez nous une nouvelle semaine. Alors que nous prenons étudier la parole, nous demandons pour imprégner nous de cet esprit. Comme ça, nous allons comprendre et mettre en pratique tout ça que vous voulez enseigner nous. Avec nous dirigeons nous ne sommes pas dignes, mais si nous prions, c'est dans notre petit tout Jésus qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Bienvenue une autre fois encore, Frère Maxime. Nous avons étudié la troisième leçon qui a pour titre La lumière brille dans les ténèbres. Lumière a brillé dans les ténèbres. Verset à mémoriser, c'est dans Jean 12, verset 35 que nous jeunis. Quand il dit comme ça, Jésus leur dit La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Jean 12, verset 35. Dans le dernier livre, Bible, qui c'est Apocalypse, Diabla est représenté par un dragon et un serpent, selon Apocalypse 12, verset 9. Ils sont dragons parce qu'ils voulaient détruire le peuple bon Dieu. Ils sont serpents parce qu'ils utilisaient ruse pour être capable de tromper nous. Nan année qui te fin suivre la mort Christ là, gen an pile moun ki te mouri, torturé, jeté au lion et brûlé, yo boulé yo sous la place publique. Eh bien c'est la Rome impériale qui te fait ça parce que moun sa yo te refusé pour yo adorer faux dieu. Eh bien malgré châtiment ça qui te cruel, an pile moun te rete fidèle. L'évangile te continue répandu et l'église a te développé. En conséquence, les Satan ouais malgré tout le monde que le tué, tout le monde que l'y brûlé, tout le monde que le persécuté, eh bien ça le fait. Il décide de changer stratégie parce que lui ouais que malgré tout ça le fait, l'exemple toujours campé de jambe, mais ça le fait. Mais qui stratégie il mettait sous place? Gen en pile païen qui vini baptisé. OK? Mais moun sa yo baptisé mais yo pas recevoir instruction approfondie de la vérité biblique. C'est comme si m'dadou que moun yo sauté sur l'évangile là et puis yo baptisé. Eh bien moun sa yo qui fin baptisé sans que yo pas recevoir aucune instruction approfondie, vinn permettre que erreur vinn commencer infiltrer. OK? Dans l'église là. Fon di ou tout que moun sa yo tout, c'était surtout des gros têtes. C'était surtout des moun qui étaient replacés. Eh bien moun sa yo vinn permettre que erreur vinn infiltré dans l'église hein, et côté que dirigeant yo vinn fusionner vérité écriture la vérité biblan avec coutume populaire yo. OK, eh bien nous voit que 4e et 5e siècle et ça c'est une période de compromis côté que dit nous les prélats de l'église, c'est dit que les gros têtes et yo te vinn mêler les pratiques païennes avec enseignement chrétien yo. Faut dire que bagay ça vinn passer les que tout apôtre fin mouri. Les que vinn gen on quantité monde qui a baptisé et surtout et là vinn des rois qui a baptisé et d'osei de gros empereur et surtout nous capable dire en Angleterre et bien moun sa yo vinn et ajouter bagay qui pat dans Bible hein, yo vinn ajouter vieux coutume qui pat dans Bible. Je dis nous toutefois et même dans les moments les plus difficiles de la vie, bon Dieu te continue ensemble avec peuple parce que yo t'ai trouvé Jésus, chemin, vérité et la vie. Et par la puissance de l'Esprit Saint, yo t'ai kembe ferme même face à une pression écrasante qui t'ai poussé pour renoncer à conviction yo. Frère Sam, Satan vient avec une autre stratégie. L'église là, c'est ton l'église qui était pure, l'église primitive c'était ton l'église qui était pure. L'église là, il t'a adoré le sabbat normalement, mais nous voit que des monde qui c'est des païens, des monde tant Constantin, des gros empereurs que ce soit romain, que ce soit anglais et tout monde yo vinn faire yo et chrétien et vinn yo vinn faire yo chrétien céleste, ça vinn commencer entrer en série de faux coutumes. Nous capable considérer en pile tant que Noël, tant que Pâques. Et Frère Maxime yo et yo dit nous 4e et 5e siècle vinn yon siècle côté que Satan vinn employer l'autre stratégie, li vinn mettre erreur en dans l'église là. Et bien nous voit que
Et pendant toute bagaille ça a fait, il y a monde qui était toujours été fidèle à la volonté de Dieu, qui était toujours été fidèle à sa balle éternelle, et monde ça va continuer et va continuer martyriser. Peut-être qu'on t'a parlé des colporteurs vaudois, on sait de monde qui était fidèle. On sait de monde qui pas décidé mélanger à erreur que l'église en lui-même l'état pas proféré. Et bien frère Maxime, c'est leçon ça nous gagne pour nous étudier pendant ce maintenant qui gagne pour titre la lumière brille dans les ténèbres. Et bien Jean verset à mémoriser à lui annoncer nous, il dit nous et lumière lit ensemble avec nous encore pour un peu de temps. Ça veut dire en nous marcher dans la lumière de manière à ce que les ténèbres à venir pour pas surprendre nous. Parce que moun ki a marché dans ténèbres par contre qui côté lié frère Maxime, c'est ça qui fait nous en pile moun les yo nan yon erreur et voilà li aveugle les yeux même si ou apprécie la vérité yo même yo pa vle quoi parce que ténèbres lang étant envahi yo. Donc frère Maxime, c'est pas une raison pour nous pas continuer prêcher, au contraire c'est une raison pour nous continuer prêcher parce que l'esprit de Dieu li là pour capable sonder les cœurs les plus durs. Eh bien, nous voyons que pour dimanche, titre leçon c'est appelé compromis, la stratégie subtile de Satan. Eh bien, dans leçon ça, il pral et expliquer qui j'en compromis à entrer dans l'église. Et pour lundi, c'est la bien pour titre leçon bien pour titre d'elle ou courriel. Pour mardi, la bien pour titre protégé par la parole. Mercredi, la bien pour titre le raisonnement humain en dehors de l'écriture. Jeudi, la bien pour titre la bataille de l'esprit. Et vendredi, comme d'habitude, réflexion avancée. Donc frère Maxime, nous invitons pour capable étudier leçon ça parce que l'est important, bien important pour vie spirituelle ou l'est important pour qu'on ait qui gens en série de erreurs vient entrer dans l'église et nous voit que l'église catholique vient fonder et c'est après des siècles après nous voit que et le sabbat de l'Éternel il va venir recommencer observer parce que gagne monde qui va décider quitter l'Europe côté que et la Rome pape la Rome impériale dans le commencement et la Rome papale dans deuxième temps pour opprimer et bien même yo pral fini en Amérique. Nous voyons que c'est à partir de là nous connait toute cette histoire là l'église adventiste pral vinn fondé et le sabbat de l'Éternel et li pral continuer observer. Donc frère Maxime, nous t'es content avec vous pour introduction leçon ça. Nous invitons pour capable baisser tête pour nous capable prier. Éternel Dieu papa nous qui dans cela nous reconnaître que la lumière c'est Jésus. Seigneur Dieu, nous pas voulons marcher dans ténèbres. Nous voulons marcher dans la lumière, Seigneur. Parce que c'est dans la lumière qui gagne la joie, qui gagne la paix. C'est dans la lumière qui gagne l'observation de ta parole, l'observation de tes commandements. Seigneur Dieu, fais-nous grâce. Déjà pour nouvelle semaine, ça fait provision pour nous, Seigneur. Nous ne connaissons pas qui embûche, qui difficulté, qui problème qui a gagné. Mais Seigneur Dieu, ou toujours camper pour petit tout. Camper pour nous, Seigneur. Permettre que semaine ça capable une semaine de réussite, de succès au nom de Jésus. Nous ne pouvons pas dire, mais si nous prions, c'est dans notre petit Jésus qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci et merci encore une fois. Frère Maxime, nous sommes contents avec vous. Nous invitons pour partager le son ça avec vos amis, vos familles. Comme ça, vous avez prêché l'évangile. Comme ça, l'autre monde a touché de message. C'était Foi Ismaël, chéri. Que bon Dieu bénisse.